الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا ذكرنا في المسألة أو الدرس الماضي في موضوع النجاسات المعفو عنها أن الذي هو مذهب شافعي يجوز أن يقلد المذهب الحنفي والمذهب المالكي، سيما بعض الأحيان يكون بحاجة لأنه وصل في الوسوسة إلى درجة المرض، فبصير مثلا قد يترك الصلاة بسبب هذه الوسوسة، فنقول له مذهب الإمام مالك في هذا الموضوع فيه تيسير، وأن عندهم قول بأن إزالة النجاسة سنة، خذ بهذا المذهب وصلي ولا تترك الصلاة، لأن بعض الأحيان الشدة الوسوسة قد تدفع للإنسان أن يفعل شيئا خطيرا. Alors hier on a parlé dans la leçon que même si la personne il est de l'école shafi'ite, il peut suivre l'école de l'imam Malik, il peut suivre l'école de l'imam Abu Hanifa, surtout lorsqu'il arrive à un bout que le waswas ça devient comme une maladie. Et j'ai dit que certains des fois ils ne prient pas à cause de le waswas, mais ça va pas, c'est grave. Le fait d'enlever l'impureté, ok, Shafi'i il a dit, il faut enlever l'impureté, c'est obligatoire, la prière n'est pas valable avec l'impureté. Mais chez le Maliki, il y a un avis qui dit, c'est obligatoire, il faut l'enlever, il y a un avis qui dit que c'est sunnah. Alors, si tu es dans un état à ce point-là, tu prends l'avis de l'imam Malik et tu fais ta prière autant. Et Yaqul, ولا يشترط في المقلد أن يعتقد أن مقلده أرجح بل لو اعتقد أنه راجح كفاه. C'est-à-dire, si tu crois que oui, l'avis de l'imam Shafi'i est plus fort et que l'avis de l'imam Malik ici, c'est pas le plus fort. Même si tu crois à ça, tu as le droit de prendre l'avis de l'imam Malik. بعض العلماء قال لولا مالك لضاقت المسالك. Il y a un certain savant a dit, s'il n'y avait pas Malik, on aura les solutions et les qui seront très restreintes. Mais grâce à ce grand imam qui a fait des efforts exceptionnels dans plusieurs questions, et plusieurs questions étaient faciles pour ceux qui pratiquent. وَكُلُّمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسُ. C'est-à-dire, Shafi'i radiyallahu anhu a fait l'effort de la sunna, de le Coran al-Karim, et il a tiré les jugements, et l'imam Malik aussi. Il a fait l'effort de le Coran al-Karim et de la sunna. Et Abu Hanifa aussi. Et l'imam Shafi'i a appris chez l'imam Malik, il a appris le livre Al-Muwatta. Alors, ikhtilafuhum rahma. C'est pas leur divergence, c'est une clémence et c'est pas un problème. وللمالكي ومن قلده يأكل بيده من غير غسل ولو خالط بها ريق الكلب وله الصلاة بما مسه ريق الكلب من ثيابه وبدنه. Tu vois ici que selon l'imam Malik, le chien n'est pas une impureté, que le prophète a ordonné de laver l'assiette. Si le chien a léché l'assiette, on lave cette fois avec la terre, question hygiène. Ils n'ont pas dit c'est une impureté. Alors pour le Malikiya et celui qui suit l'imam Malik, il peut, même s'il a touché le chien, il peut manger après sans laver la main, parce que ce n'est pas une impureté pour eux, le chien. Sauf lorsqu'il est mort, son cadavre et chien, l'urine et les selles du chien, c'est impureté comme les autres impuretés. C'est une impureté comme les autres. Mais s'il est vivant, qu'il soit la salive du chien ou le chien lui-même en étant humide, ce n'est pas une impureté. Et j'ai dit que cet avis, il rend les choses, beaucoup de choses faciles à pratiquer. Parce que si tu vas prendre l'avis de l'imam Shafi'i, tu regardes autour de toi, ou au 20 pics par exemple, tu dis, ah, ces gens-là, ils ont mangé le cochon, ils ont utilisé les assiettes et les fourchettes et les cafés, et ils n'ont pas lavé la bouche cette fois avec une fois à la terre. Alors, je quitte. Et tu n'as pas vu des gens qui lorsqu'il porte le poignet, il a un sac à la main ou un bout de papier, il ouvre avec ça et il ne salue pas et il ne fait pas ça. Mais comment tu vas vivre avec les gens de cette manière-là? Si tu veux les approcher à l'islam et tu fais d'une telle manière, tu vas les choquer. Tu l'avais fait fuir avant de parler même. إذا أنت بدك تتصرف قدام بعض الناس هذا ما بتصافحه بدك تمسك الباب. Moi j'étais avec quelqu'un, il a dit moi je vais aller parce que je veux pas les saluer et tout. Il est parti, il m'a laissé. Et les autres ils ont dit mais le monsieur là il est où? Le monsieur il est là, il est oui parce que il veut pas vous toucher la main, il est parti. Non, j'ai pas dit, mais supposons ce que j'ai dit. C'est pas normal ça.
فإذا بوله وعذرته للكلب كغيرها من النجاسات يجري فيها القول بالسنة. Il a dit l'urine et les excréments des chiens, c'est une impureté comme les autres. Si ça touche l'habit, alors on dit que il y a un avis qui dit que c'est sunna d'enlever chez le maliki. وبالجملة مين بده يشيلون هول من فوق؟ وبالجملة فدين الله يسر لا عسر. قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. دين الله يسر. La religion de Dieu est une religion facile. La sharia de Sayyidina Muhammad, c'est la sharia la plus complète et la plus facile. Sharia de Sayyidina Muhammad, atam al-shara'i' wa ashaluha. قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالشريعة السمحة أي بالدين السهل. Je suis envoyé avec la sharia la plus tolérante, la plus facile à pratiquer. شوف مثلا بيقال بشريعة موسى كان القاتل يتحتم قتله وفي شريعة عيسى فقط الدية. On dit, ça a été dit que dans شريعة عيسى celui qui tue, il y a que la compensation. Dans شريعة موسى il y avait que la, il a tué, on le tue. Et dans Shariat Sayyidina Muhammad, il y a tout d'abord le fait de pardonner. Et ça, ça le fait de pardonner, on ne veut rien. Ni tuer, ni la compensation. Et on peut dire, bon, on ne le tue pas, mais on veut la compensation. Et ils peuvent dire, on le tue. Il y a les trois choses. La plus complète et la plus facile, Shariat Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. فينبغي لكل عاقل أن يدفع الوسواس عن نفسه بقدر ما يمكنه فإذا حدثه ببطلان صلاته أو وضوئه كذبه في ذلك ويحكم بصحة ذلك. Alors il a dit que chaque personne qui a la raison, qui a la sagesse, il faut qu'il repousse le wiswas de lui-même tant qu'il peut, comme il peut. Bien sûr, lorsque tu apprends, mets en pratique les règles que tu as appris, mets en pratique les règles que tu as appris. Al-Malikiya, ils ont dit, si tu as la personne, chaque jour il doute, est-ce que j'ai fait 3 ou 4? Chaque jour. Après 3 jours, il dit, ça devient comme maladie. Alors il lui dit, 3 ou 4? Il dit 4. Il ne répond pas. Il lui dit, tu as fait 2 sajdas ou 1 sajda ou 2? Il dit 2. Après 3 jours, c'est beaucoup. Même si c'est arrivé une fois par journée. Tu vois, parce qu'il y a des gens, après, s'il ne prend pas la vie de l'imam Malik, il a dit, peut-être je reste 1 heure en train de faire la prière. Parce que ça devient comme une maladie. Et en réalité, tu as la raison. Et quand l'imam Malik ou le Malikia, lorsqu'ils ont dit ça, ils avaient des sagesses derrière. Din l'islam, ce n'est pas une religion compliquée, mes frères. Ni au point de vue de l'aqida, ni dans le point de vue croyance. L'islam ليس دين معقد, ليس دين صعب. لا بالعقيدة ولا بالأحكام العملية بالعقائد. الله ليس كمثل شيء لا يشبه البشر واحد أحد. هيدا شو بده تعقيد؟ Dans la croyance, tu dis Allah Ta'ala est unique, n'a pas d'associé, il ne ressemble pas à ses créatures. Existe son début, son fin, on ne lui attribue pas les attributs des créatures. Voilà, c'est tout simplement. C'est ça l'essentiel dans le tawhid. Que tu crois qu'il est unique par son être, par ses attributs, par ses actes, n'a besoin de rien, toute chose a besoin de lui, il est l'unique créateur, toute idée qui peut venir à l'esprit, Allah est différent de cela. Et dans la pratique, voilà, Al-Nabi alayhi salatu wasalam tarakana ala al-mahajjat al-bayda. Il nous a expliqué, Sayyidina Muhammad, à tel point que les choses, comme on dit, la nuit comme la journée, pour les choses qui sont claires, le halal, le haram. Bien sûr, Sayyidina Muhammad a dit, il y a entre les choses douteuses pour des sagesses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les savants de l'islam travaillent pour déduire le jugement. Travaillent. Ce n'est pas comme les codes. Il y a du travail à faire, de l'effort à faire. Et comme ça, ils gagnent de la récompense en faisant ce travail. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالرجوع إلى هؤلاء العلماء الذين يشتغلون بالاستنباط استنباط المسائل وبعدما إيش بعد ما يحصلوا القواعد الأصولية التي لا بد منها للاجتهاد وليس كل أحد له الحق أن يجتهد. C'est pas n'importe qui a le droit de faire l'effort, mais il faut bien sûr remplir certaines conditions. Et puis il a dit ici, le shaitan lui dit, le waswas, non, le wudu n'est pas valable, la prière n'est pas valable. Il dit,
je réponds pas, je n'accepte pas, ma prière est valable et mon wudu est valable, j'ai bien lavé mon visage, j'ai bien fait l'intention, je suis venu pour faire l'wudu, j'ai bien fait 4 rak'at, mon recours était juste, mon sujoud était juste, ma récitation de l'Fatiha est parfaite, et on n'accepte pas n'importe quelle chose qui vient à l'esprit. Ma b'taqbal anno ayya fikra hik ajit ana sallayt 4 rak'at, ataytu bil ruku', ataytu bis sujoud wa qara'tu al-Fatiha, haydi as-salat. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قوله فيتوضأ على مذهبه فيمسح بعض رأسه مبني على مشهور مذهب مالك من وجوب مسح جميع الرأس، ومقابله الاكتفاء بمسح الثلث ثلث الرأس، ومسح مقدمه أو مسح ثلاثة أجزاء من ثلاث شعرات أو مسح بعض شعرة كمذهبنا. يعني il a dit, parce que lorsqu'on a dit oui il peut prendre la vie de l'imam Malik et il fait le wudu et il humecte une partie de la tête. Il a dit parce que chez le Malikiya, c'est connu, la vie très connue, qu'on doit humecter toute la tête. Mais ils ont d'autres avis, autres que celui-là, que le tiers. Il a le parti, les débuts de la tête, al-muqaddam, on dit, muqaddam al-ras. C'est l'avis d'Abu Hanifa d'ailleurs. Parce qu'Abu Hanifa, il dit à peu près le quart. Le quart de la tête, al-rub'a. Si tu fais comme ça, c'est le quart. Et il a dit encore même le tiers de la tête, ou le début de la... Oui, muqaddam al-ras. Et où il a dit trois cheveux, ou même une partie d'un cheveu, comme notre école. Ils ont d'autres écoles, mais la vie très connue chez le Malikiya, c'est toute la tête. Et même, on a dit une fois, je vous ai dit une fois, que l'imam Ahmed, il dit toute la tête et les oreilles inclus. C'est-à-dire, le wudu chez l'imam Ahmed, tu humectes toute la tête avec les oreilles et le retour est sunnah. Et on fait ça, même si je suis shafi'i. Mais moi, je fais le mieux. J'humecte toute la tête avec les oreilles et je fais le retour, que c'est sunnah. Et malgré que, voyez, notre cher Abdullah est shafi'i, mais je l'ai vu, il prend l'avis de l'imam Malik, il humecte la tête une fois. Je ne l'ai pas vu en train d'humecter la tête trois fois. Parce que Shafi, il dit, on humecte la tête trois fois. C'est dit. Et comme votre cher, cher Abdullah, il est un grand muhaddith, et il connaît, et je l'ai vu, il humecte la tête une fois. Parce que le Malikiya, ils disent, si tu fais deux ou trois, c'est déconseillé. Maintenant, c'est quoi l'argument de l'imam Malik? C'est quoi l'argument de l'imam Shafi? Lorsque la personne maîtrise le hadith, il voit qu'il y a, on favorise quoi, tu vois. Et le cheikh Abdullah, qui est un grand savant shafi'ite, et le humecte, je l'ai vu, lorsqu'il passe la main mouillée sur la tête, une fois avec le retour. C'est-à-dire, ils prennent en considération ce qu'ils ont dit le Malikiya. وَمَا أَحْسَنْ قَوْلَ الْعَلَّامَ إِبْنِ الْعِمَادِ فِي مَنْظُومَتِهِ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ فِي ذَا الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ لطفا وجودا على إحياء خليقته وما التنطع إلا نزغة وردت من مكر إبليس فاحذر سوء فتنته إن تستمع قوله فيما يوسوسه أو نصح رأي له ترجع بخيبته القصد خير القصد يعني التوسط القصد خير وخير الأمر أوسطه دع التعمق واحذر داء نكبة التعمق يعني إيش الوسوسة مش تعمق الفهم الصحيح للدين لا هذا ليس مذموما أما الوسوسة تعمق هنا التنطع والوسوسة alors ابن العماد qui a fait tout un joli poésie au sujet de l'impureté tolérée les impuretés tolérables et après il a dit à la fin comme conseil il dit Allah Ta'ala n'a pas mis dans notre religion du jeûne par sa clémence et par sa générosité envers les créatures. Alors, al-waswasa et le fait de trop compliquer les choses et de trop exagérer, il a dit ça c'est une chose qui vient de la ruse diabolique, méfie-toi de sa ruse et ce qu'il voulait comme mal, parce qu'il veut que tu quittes la prière, il veut que tu dis « mais la religion est difficile, c'est quoi ça ?» C'est pas la religion difficile, c'est toi qui rends les choses difficiles, c'est toi qui as mal pratiqué, mal réfléchi, mal raisonné, et c'est toi qui as compliqué. La religion n'est pas du tout compliquée. Il a dit, si tu entends ce qu'il te dit à Shaitan et ses obsessions,
ou il te dit, voilà, je te conseille, tu reviens avec la perte et l'échec. Le fait d'être au juste milieu, c'est le meilleur. Et le meilleur, là, il a dit, le fait d'être ni dans l'extrême, ni dans le laisser aller, délaisse l'exagération ou le waswasa ou l'obsession et méfie-toi de ces mauvais effets ou ces effets. C'est-à-dire, comme je vous ai dit des fois, il y a des gens, et suite au waswasa, ils ne prient pas ou des fois ils se suicident, et ils se tuent suite à waswasa, et puis, mais c'est quoi ça? Chouaïd. Aïe, waswas, il te vient un waswas au sujet de l'islam ou la foi ou croyance. J'aime Dieu et son messager. Olek, ouhibbullah wa rasoul. J'aime Dieu et son messager et je crois en Dieu et son messager. De quoi tu as peur? Bien sûr, sur quel état on va mourir? Sur quel état on va mourir? Mais n'importe quelle mauvaise idée qui vient actuellement, moi j'aime Dieu et son messager. J'aime l'islam, j'aime les prophètes, j'aime le bien, je déteste le mal. J'aime l'obéissance, je déteste la désobéissance. Je fais de mon mieux pour avoir la clémence. Allah Ta'ala حجب عنا الغيب يعني في كتير من الأمور أنت مثلا لو بتعرفها ما بعود فيك تنام من الآن. Si tu sais que dans une semaine il y a quelqu'un, il va te prendre Netanyahu, il va te faire tel et tel, tu n'arrives pas à dormir une année avant, mais Allah Ta'ala a caché. Alors les gens à Gaza, ils ont dormi une année tranquille, tout ça. Et puis après, ils ont vécu. Mais supposons, ils savaient qu'est-ce qu'ils vont avoir. Et alors depuis une année, ils vont avoir de la douleur, de l'inquiétude. Allah Ta'ala a fait qu'on ne connaît pas l'oreille, on agit sur le champ. Sur le champ, moi j'aime Dieu et son messager, je vis cet instant. J'aime l'islam, je pratique l'islam, la prière, voilà 5 à 7 minutes. Le wudu, c'est une minute ou une minute et demie ou moins. Voilà, c'est pas compliqué les choses. Il faut savoir apprendre et il faut savoir pratiquer. Et il faut une question, une chose, voilà, avant de clôturer. On n'est pas des savants, ni moi ni vous. Moi, je donne la leçon par nécessité. Alors, si on n'est pas des savants, ni comme chef et ni moi, on est très loin de ce niveau. Alors, il y a une question qui vient à la tête. Je ne réponds pas, parce que moi, je ne suis pas un savant. Et si la question vient de n'importe qui, de toi-même, de Louis Suez, de Shaitan, mais celui-là, il ne cherche pas la science. Il veut seulement te faire tomber dans l'erreur. Et il ne faut pas que tu fais comme ça. Ah, une question. Ah, il faut chercher la réponse. Pourquoi? Pourquoi tu cherches la réponse? Tu réponds à qui? Oui, à cette question qui est venue dans la tête. À cette question qui est venue dans la tête, tu vas répondre pour qui? Pourquoi? Tu es le Zufar? Tu es Mohammed al-Hassan al-Shaybani? Tu es qui? Tu es Atta ibn Abi Rabah? Tu es quel savant toi? À peine tu as terminé la séance obligatoire. Alors? Tu ne réponds à rien. N'importe quelle question, tu ne réponds à rien. C'est qui cette personne? Ah, c'est une question qui est venue comme ça. Alors, une question qui vient comme ça, on change ce sujet et on réfléchit autrement. On ne répond pas à des questions qui viennent comme ça. Mais Shafi'i, Abu Hanifa, eux, ils réfléchissent. Si telle chose a eu lieu, le jugement est tel, parce qu'il a les éléments, il est un grand savant, et la communauté musulmane, peut-être, ils en ont besoin dans le futur. Alors lui, il écrit maintenant, il suppose et il donne des réponses. Il a les capacités, il est à la hauteur, il est au niveau. Mais nous, on n'est pas dans ce niveau, on ne répond pas. S'il y a des questions qui viennent à la tête, tu changes le sujet. Tu vas apprendre comment faire le couscous royal. Tu te vois, tu cherches comment faire le harira. Tu cherches, je ne sais pas. Tu changes le sujet. Nos finas à la bousfon. Et il se met comme ça, il commence à imaginer. Et puis après, il y a des trucs dans l'imagination. Le cheikh, il a dit, c'est une mer sans plage. Mer sans plage. Tu peux imaginer des millions de questions. Pas des milliers, des millions. Et après,
supposons les millions, et lui, il se trouve qu'il faut répondre. Et après qu'il répond, il vient vers moi. Quel est mon jugement? C'est quoi ton jugement? Amène-moi un bâton là. Voilà, amène un bâton, amène le Syrien, il le met dans un pneu, et il lui fait là, et il faut taper. Pas en Suisse, on est d'accord. Peut-être en Syrie, peut-être. Mais ça aussi, c'est et il ne faut pas répondre à n'importe quelle question dans l'imagination. Quelqu'un, il est venu dans le travail, il a dit, voilà, j'étais en train de faire la prière, j'ai eu ça, est-ce que c'est valable? Si tu as la réponse, tu réponds, tu n'as pas la réponse, tu poses. Là, c'est quelque chose qui a eu lieu. Est-ce que c'est arrivé? Non, c'est pas arrivé. Alors laissez-la, lorsqu'il arrive, on répond. Les savants de l'islam, ils disaient, est-ce que telle chose a eu lieu? Non, alors laissez-la, puisqu'il n'a pas eu lieu. Laissez, lorsqu'il arrive, on va répondre. Parce que nous sommes tu n'es pas obligé de répondre à toute question qui vient à l'esprit. Et tu n'es pas un savant. Et Allah n'a pas rendu obligatoire de que tu poses, tu réponds à toutes ces questions. C'est pas dans l'islam ça. Et c'est pas ton travail parce que tu n'es pas le vrai savant pour répondre. Et je dis, il y a des gens qu'il va dans l'imagination, il imagine des questions. Pourquoi tu t'imagines, mes frères, des questions? Va, serre ta mère. Ruh jlis jaliyat an ummak. Dis à ta mère, toi tu cuisines, c'est moi qui fais la vaisselle, c'est moi qui nettoie la terre, c'est moi qui fais ça, qui fait. Voilà, occupe-toi par d'autres choses au lieu de dire, j'imagine. Aide ta mère, apprends comment faire le fer à repasser. Al khaliyat almak ummak kif takwil al kawiyat kif taghsil la jaliyat. Et si ton père il a un bout de terrain, tu vas apprendre comment mettre les concombres, comment planter les tomates, comment faire. Mais vis autrement. C'est quoi cette manière-là de dire j'imagine et je pose des questions. Et puis après tu le trouves. Et il veut un seul savant pour lui. Lui tout seul il a besoin d'un savant. Il t'a dit Ibn Imad. Laisse al waswasa, que ce soit dans l'oudou, que ce soit dans tahara, que ce soit dans le najasa, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le pèlerinage, que ce soit dans la récitation de l'Fatiha, que ce soit dans l'aqida, délaisse, khalas, bijik shay, anta, Allah ta'ala qu'il inna shaytana lakum adouum fattakhidhu adouwa. Le shaytan est votre ennemi, prenez-le comme ennemi. Et zabdak adi ma btimshi ma'o. Si tu prends le shaytan comme ennemi, tu ne le suis pas, tu ne l'écoutes pas. Et ushtaghal bi dhikrillah wa bila hawla wa la quwwata illa billah. Tu travailles par al-dhikr et par le fait de dire souvent la hawla wa la quwwata illa billah. S'il y a une idée qui vient, voilà, une question, voilà, tout de suite change, pense à autre chose. Comment, voilà, je viens à la mosquée, je vais nettoyer, je vais aider, ma mère a besoin de moi, je vais... Tout de suite, tu changes. Tu n'es pas obligé de réfléchir et inventer des questions. Ma ilak maslaha, tatwallid masail, wa tujib ala hadhi masail, wa tujib ktir min al-ajwab, wa tukun ghalat l'anak, mannak alim, ou min allak anta tjawab, min allak, qui t'a dit de répondre? Allah Ta'ala, non, Allah n'a pas ordonné que tu réponds. Il fallait, lorsque tu as une question qui vient à l'esprit, tu changes et tu penses à autre chose. Wallahu a'lamu ahkam, alhamdulillah. Qal, wa qad qalu inna lil muwaswisina shaytanan yadhaku alayhim wa yastahzi'u bihim. Ça a été dit que ceux qui ont dans le waswas, ils ont un diable qui se moque d'eux, qui rigole sur eux, ils se moquent d'eux. Huwa Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam qal lamma al-wahad yatatha'ab la yad'a yadahu hatta ash-shaytan la yadhaku alayhi, hein, lorsque tu bailles. C'est pas la sunna de mettre la main droite de cette manière ou la main gauche de cette manière. Si c'est la main gauche, c'est de cette manière. Si c'est la main droite, de la même manière, pour que le shaitan ne rigole pas sur toi. Alors ne laissez pas le shaitan qui se moque de vous en ayant le waswas dans le dos, en train d'exagérer dans l'eau. Je vous ai dit, un ami à moi, il est rentré dans un lieu, il a trouvé quelqu'un déshabillé, sans habit. Dans le lieu de l'Odo, sans habit, ni short, ni boxer, ni rien du tout. Et il remplit le seau d'eau et il verse sur lui. Il remplit de l'eau, il verse. Mais qu'est-ce que tu fais?
Mais bon, c'est pas un sunnite là, celui-là, c'est. يعني بس هذا ليش وسوسة الشيطان يضحك عليه الشيطان يسمك de lui نجاسة tu peux verser un peu d'eau ça part نجاسة un peu d'eau tu la نجاسة est partie par un peu d'eau et c'est fini pourquoi tu es en train de verser 100 litres de sang quelqu'un il a fait le douche il était jeune il a fait le douche et tu sais au Liban des fois et c'est pas facile de remplir l'eau le réservoir l'eau vient dans la nuit il remplit ici puis après il y a le moteur qui pompe là-haut. Alors le père, il était tranquille, il a rempli le réservoir. 3-4 jours, on a de l'eau. Le père, il est levé le matin pour faire le dos, il n'y a pas d'eau. Parce que son fils, il s'est levé, il a fait la douche, il a fait vider tout. Tu te rends compte? Il a vidé tout pour la douche de Janab. D'ailleurs, une bouteille comme ça suffit pour faire la douche. Une demi-litre, maximum un litre, tu peux faire la douche avec les sunnahs. Avec les sunan. طيب هنا نقول الله تعالى يحفظنا ويسلمنا ويعيدنا من الوسوسة ويفقهنا في الدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.